J'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, les potes. C'était il y a 3 jours, 2 jours 3 jours, je crois. 3 jours. On a fait la même vidéo avec les deux filles qui sont sur les côtés. Tout simplement, on leur a posé des questions un petit peu pour que vous appreniez mieux à les connaître. Et c'était des questions plutôt cocasses quand même. Enfin, cocasses. Bon, certaines basiques et certaines un peu plus. Ouais, voilà. En gros, bah voilà, c'était un sorte de questions-réponses, une sorte de FAQ, mais entre nous, genre. Du coup, aujourd'hui, on a décidé de faire pareil. Enfin, elles ont décidé de faire pareil, mais c'est elles qui posaient les questions. Donc. On va voir un petit peu ce que ça donne. On sait pas du tout à quoi s'attendre en termes de questions, mais rien qu'elles m'ont pas spoil, mais tu vois, elles m'ont dit ouais, tu vas manger. Et ben j'ai un peu peur. Voilà, on va voir ce que c'est. Mais... Voilà, ce genre de vidéo, ça apprend aussi à mieux nous connaître, même si nous, quand même, vous nous connaissez bien parce que vous êtes sur notre chaîne. Je pense pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. Donc par exemple, pour ceux qui sont nouveaux, nouvelles, ça peut bien vous en apprendre sur nous. Même les anciens, ils vont apprendre des trucs. Ouais. Oh non, j'ai peur. Bien sûr, avant de commencer la vidéo, les potes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. N'oubliez pas de mettre le code Joe dans un petit portail, c'est très très important, ça nous aide énormément. Donc merci à tous ceux qui pensent à le faire et merci à tous ceux qui le feront après cette vidéo. Et puis nous, tout simplement, on souhaite un bon visionnage. Je suis pas sérieux. En vrai, quand j'attaque une vidéo et je sais pas. Genre, on n'est pas maître de la vidéo là. En vrai, je suis une pute, mais en vrai, vu que la dernière fois je vous avais fait, il n'y a pas de joker, il n'y a pas le droit de pas répondre. Est-ce que je peux avoir un joker? Non, on n'a pas le droit d'avoir un joker. Ah ouais, c'est trop simple, ça va. Vas-y, vas-y. Alors, première question. On commence soft. Il y a des trucs soft aussi. Ok, ouais, bah, ouais, vas-y, voilà. Okay. La chose dont vous êtes la plus fière. Notre parcours. Ouais, notre parcours, mais moi je dirais notre relation. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais, mais ça va avec. Ouais, notre parcours, notre relation. Ouais, entre amoureux, tu vois. Ouais, genre. Bien sûr. Le chemin qu'on a parcouru ensemble. Ouais. Ok. Comme vous la dernière fois, donnez-nous un défaut. Ah, à vous deux. À vous deux. Genre Rome qui donne un défaut à Péné et à moi, et Baba qui donne un défaut okay. à moi. Ok. Moi, Pénélope, franchement, son défaut, je dirais. Après, c'est normal, elle est jeune, c'est un défaut, mais sans être un défaut, dans le sens où on a tous été jeunes et on l'a tous été. Je pense qu'il y a encore des trucs, c'est normal, à la 16 ans. Genre qu'on réagit pas pareil. Après, c'est pas un défaut, mais genre elle est encore pas mature à 100%. Ouais, ouais, la maturité, même si elle est très très mature pour son âge. Ouais, en rentre, je tiens à le dire, et ça c'est une qualité en même temps. En fait, c'est un défaut pour elle et une qualité en même temps. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai pas envie de vexer, mais en même temps c'est vrai, c'est ce que je pense. Non, mais c'est vrai. Mais après, elle est très mature pour son âge. Genre à 16 ans, il y a pas tout le monde qui est mature comme. Non, mais je dis, au moins comme ça, les abonnés savent. Et je dois donner une qualité aussi. Non, juste un défaut. Juste un défaut. Et pour Mina, un défaut. Bah, parce que tu lui donnes une bonne idée, hein. D'accord. Laissez-moi faire déjà un défaut pour Mina. Est-ce que t'as des idées? Mais la dernière fois, j'ai cherché pendant une heure, je n'ai pas trouvé. Un défaut pour Mina, elle est assez discrète. Non ouais. Je sais pas si c'est un défaut. En vrai, non, pas tellement. Ouais, pas tellement, mais je sais pas. Je sais même pas. Moi, je dirais elle est assez discrète, il manque un brin de folie. Ah ouais? Ouais. Ah, ça dépend des fois. Hein. Ah, moi je sais pas, après je la connais pas sous tous ses angles. Donc toi tu connais tout. Donc, Ouais. C'est à moi là, du coup. Ouais. Oh, mais non, mais j'aime pas. Mais moi en plus, je t'ai déjà dit le jour. En vrai, il y a un défaut que je trouve. Après, c'est minime, tu vois. Mais chez Pénélope, c'est que des fois, j'ai l'impression qu'en vidéo, enfin sur sa chaîne en tout cas, c'est pas la même personne qu'en vrai. En vrai, j'apprécie bien plus que j'apprécie en vidéo. Quoi. Mais après, forcément, tu vois, quand tu fais une vidéo, t'as forcément un rôle. Mais bref, voilà. Ouais, après, tu sais, tu vois. Et Mino. Frère, ça fait 3 jours que je cherche. Je ne peux pas trouver. En vrai, moi, j'avais pas trouvé pour toi la dernière fois. Je sais pas. Non, franchement, je sais pas. Je sais pas. Je suis parfaite. Genre, ça. Ouais, je sais. Non, vraiment, t'as pas le droit de joker, hein, donc t'es obligé de dire quelque chose. Mais moi j'ai pas trouvé pour Vava. Ah ouais, okay, bon. J'en sais rien en fait. C'est pas question de peur de te vexer, c'est que j'ai eu le. Où vous voyez-vous dans 10 ans? Dans 10 ans? Bah je sais pas si on vivra encore ici. Ouais. Sûrement. Sûrement, ouais. Avec des petits bambinous. J'avoue, en vrai, où? Genre l'endroit ou ce qu'on fera ou quoi? Dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Dans 10 ans, c'est quoi ta vie? Bah je sais pas. Je pense toujours la même. Peut-être avec des contenus différents. Ouais. Mais en vrai, on aimerait bien continuer ce qu'on fait, tu vois, actuellement, parce que c'est quand même ce qui nous plaît. Donc en vrai, juste nous, mais avec une famille, tu vois. Bien sûr, et puis genre, on aura pris 10 ans d'âge, donc forcément, ça va changer. Ouais. Mais sinon, bah, c'est tout. J'ai pas jugé. La cocasse. Oh non. Alors, on s'est arrêté. Tu vois, voilà.
Bah, on connaît ta réponse, mais oui. Mais ah ouais. Comment ça, on connaît la réponse? Oui. Alors, vous préférez qui entre le groupe Pene et Mina, donc nous deux, et Pico Xenon? Ah ouais, mais frère, normalement. C'est quoi la réponse, moi? Vous pensez que c'est quoi la réponse? Je sais pas, Pico Xenon. Ah, mais je suis obligée de choisir là. Oui, mais oui, c'est impossible. Si tu choisis Pico Xenon, si tu choisis moi et Pene. Mais c'est impossible! À ce moment, on part. Non, mais on quitte les lieux, clairement. Non, mais c'est là. Moi, Pico Xena, bah ouais, elles ont raison. Mais non, mais moi, je peux pas, genre. Ah, si, t'es obligé. Mais c'est mes enfants! C'est mes enfants et vous êtes mes meilleurs potes, en vrai, donc je sais pas, moi. Genre, en fait, disons que je vous aime, mais genre différemment que mes chiens, et genre, enfin, je sais pas, c'est pas le même amour, tu vois. Mais en vrai, je sais pas. Mais non, mais c'est vrai, tu t'aimes pas tes parents comme tu m'aimes moi, par exemple, tu vois ce que je veux dire? Sûr, t'aimes pas Pena Pemina comme t'aimes Store, tu vois ce là, que je veux là, dire? Là, c'est des chiens aussi. Ouais. Ouais. Nos bébés quand même. Je sais pas, j'en sais rien. Je vous aime tous, tu vois. Non, bah, elle exclut les questions. Mais ouais, j'explique pas, mais frère, c'est une question impossible à un moment donné. Quel est votre meilleur et pire souvenir de 2021? 2021. Ouais, début, fin ouais. 2021, il s'est pas passé grand chose, en pire. On a déménagé. On a déménagé, il s'est passé que des trucs bien. Meilleur et pire, notre déménagement, ouais. Déménagement dans la nouvelle maison. Meilleur, hein, pas pire. Ouais. Et le pire. Pire, il n'y a pas eu de pire. Franchement, le pire, bah, c'est la colonne qui a été cassée, c'est tout. Ouais, voilà, en bah, soi, le tracteur. C'est tout, hein. Il n'y a pas eu de pire vraiment là pour le moment. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un tracteur qui a pété un bout de portail. Voilà, je vais vous dire. Et frère, j'ai pas fait mon choix. J'ai rien choisi du tout, moi. Tu vas pas te faire de défilé. Ouais, clairement, je me défile, j'assume. Encore un truc cocasse là. Le youtubeur ou la youtubeuse avec qui vous avez eu la moins bonne expérience? Avec qui on a vraiment parlé? Pas spécialement, pas besoin de parler, genre. Pas sans connaître forcément, mais youtubeur où tu te dis ah ça s'est mal passé, genre. Jeff Loose et Joe Joyce. Moi aussi pareil. On la connaît la réponse du coup, donc voulez-vous des enfants plus tard, c'est combien? On a dit deux, pas plus. Deux max, ouais. Ouais, c'est des vite colonies de vacances. Non, pas que ceux qui ont 3 à 4 enfants, c'est bien, parce que vous voulez, mais genre, nous on a déjà deux chiens et tout, et en plus on a 5 gosses, ça ferait plus possible. Donc en vrai, on s'est dit deux. Après, genre, on aimerait bien avoir un garçon et une fille, tu vois. C'est vrai. Donc, si c'est deux garçons ou deux filles dès le début, pourquoi pas un troisième, tu vois. Après, on n'est même pas un, tu vois, donc je sais pas. Mais en vrai, deux. Ah oui, là c'est la question. Alors, merci pour toi. Ah, mais il y a une question pour moi et après une question pour moi. Genre, c'est improvisé. Alors, Roro a choisi entre être milliardaire dans une grande villa mais sans Vava ou gagner les SMIC mais être avec Vava. Tu préfères quoi? Je connais tellement la réponse. Gagner le SMIC et être avec Vava. Ah ouais? Mais non. Et maintenant, tu dis la vérité? Mais c'est la vérité, pourquoi vous rigolez? Arrête, parce que t'aimes trop l'argent, Annie. Bah oui, mais j'aime l'argent, mais je t'aime toi aussi. Oh, mais là! Attends, tu préfères l'argent ou moi? Les deux. Vava, être avec Roro, mais ne plus avoir les chiens, ou avoir encore les chiens et un petit singe, mais ne plus être avec Roro? Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles du petit singe? Attends, bon, soit je suis avec Roro, mais j'ai plus les chiens. Ouais, t'as plus Pico Xena. Soit je suis plus avec Roro, mais t'as encore Pico Xena. Et un petit singe. Et un petit singe. Mais tu l'aimes, il est vite fait, même. Bah. Je vous aime, mais ah, mais ils sont même pas là. mais bon, on va en gros quand même, tu vois. Oh, mais je les aime tellement. Mais tu m'aimes pas, ouais. Mais si, je t'aime. Mais bon, je t'ai choisi, donc fais pas le fou. Ah, bah, dernière question, déjà. Okay. Si à 6 ans, YouTube n'aurait pas fonctionné pour vous, qu'auriez-vous fait à la place? Moi, j'aurais travaillé dans le design graphique. Quoi? Attends, c'est quoi la question? Si YouTube n'aurait pas fonctionné pour vous, qu'auriez-vous fait à la place? J'aurais fait ce que j'ai pu. Non, je sais pas. Pas en vrai, soit j'aurais été dans l'immobilier, soit un truc comme ça, genre dans le commerce, je pense. Ok. Et moi, j'aurais voulu faire des designs et tout, genre Photoshop. Des études de design, j'aurais vraiment voulu bosser là-dedans. Après, c'est pas un truc non plus qui me transcende, mais si j'avais pu choisir, j'aurais fait ça, genre. C'est tout? C'est tout? Non, c'est tout. C'est tout. Y'a pas une question bonus? Ah, mais c'est tout, c'est fini. C'est tout. Vous voulez une question bonus? Vous voulez d'autres questions? C'est tout! C'est tout. Oh, mais je suis choquée! J'ai choisi de laisser les chiens. Oh non!
Bon, ça va, les questions, c'était pas trop cocasse en vrai. Ça va. Alors là, vous avez des problèmes. En vrai, attends, en vrai, que tu t'es trompé. Voilà. Vous allez vouloir répondre. Ah ouais, c'est vraiment, ça va vous plaire à tout moment. Vous allez devoir en tuer un. Ok. En unfollow un. Et faire une collab avec. Ok. Du coup, Michou. Ouais. Inox. Ok. Exclusive. Ok. Moi je dirais, je commence. Ouais, commence. Moi je dirais, c'est ce que je fais, bah, c'est tuer. En gros, je tuerais Inox. Ouais, pourquoi? Je sais pas. C'est comme ça, hein. C'est comme ça, je sais pas, je. Voilà. Et ensuite, en unfollow ou faire une collab avec, j'hésite entre Squeezie et Michou. Je sais pas, je dirais peut-être Michou pour une collab et Squeezie, je l'unfollow. Ouais, ok. Et toi, tu ferais quand? Ne me posez pas les questions, je sais même pas pourquoi. Moi, je tue. Je pense que je tue Michou. Eh, carrément. Ouais. Non, mais t'as compris. Carrément. Bah alors Follow, Inox et. Bah, en vrai, je les aime tous bien, tu vois, mais genre. Je me vois plus, genre, en termes de caractère et tout machin, faire une collab avec Squeezie qu'avec Michou et Inox, tu vois. Après, je sais pas. Ouais. Après, c'est plus âgé aussi. Ouais. Non, mais après, oui, parce que c'est plus âgé aussi. Mais c'est question que, même dans, de toutes les manières, les trois, genre, on fait pas du tout le même contenu. Donc, en fait, faire une collab même avec les trois, enfin, genre, on fait pas du tout le même contenu, tu vois. Compliqué. Donc, compliqué quand même, cette question en vrai. Ok. Cocasse. Question problème. Attends. Aïe. Un peu délicat. Hein. Alors, entre Stark, Pénélope et moi, vous devez tout de suite virer une personne de chez vous. Oh, bah moi je suis désolée mais je pense que je vais Stork. Après c'est pas méchant du tout mais c'est juste que bah je sais pas c'est un mec et vous êtes mes potes et voilà. Ouais, ouais, c'est comme ça. À toi. Ce serait Mina parce que c'est la personne de qui je suis moins proche. Ah ouais. Ouais. Ok. Oui, par rapport à Storm et par rapport à Pénélope. Oui, oui, Amina. Je pense que la vidéo vous aura plu si vous voulez éventuellement un autre épisode. Troisième épisode. Et bah, allez-y dans les commentaires, allez-y au niveau des pouces bleus aussi. Et puis, est-ce que ça vous a plu de nous martyriser comme ça là? Ouais, ça va, hein, moi j'ai trouvé ça chill encore. Ah non, mais il y a des trucs qui n'étaient pas chill, franchement, elle manque par rapport au chien, frère. Ah oui, par rapport au chien. Mon cœur, il est en miettes là. Je pense que ça vous aura plu. Et puis, nous, on se dit à ce soir pour le live et demain, prenez la vidéo. Peace.